On est parti sur une tier liste dédiée aux meilleurs jungle du nouveau patch 14.03. On est là pour te montrer quels sont les meilleurs champions pour pouvoir grind. C'est trié par elo concrètement. Fais attention aux tier listes qui sont pas triées par elo parce que c'est les full scams de League of Legends. Et tu vas avoir un peu la preuve là-dessus parce que bah les champions qui sont broken sont pas tous les mêmes à cause de deux choses. L'équilibrage du champion d'ailleurs n'est pas tout à fait parfait et il y en a qui sont plus broken que d'autres, mais que surtout en fonction de l'elo es, le pick rate des champions n'est pas le même par exemple des champions counter, on va dire, à 50% de pick rate, je sais pas, de Jarvan Jungle et bah ça va être le cas en silver, mais ça va pas du tout être le cas par exemple en master. Et de ce fait, les champions qui counteraient Jarvan sont hyper forts à bas mais vont être beaucoup moins forts à haut Elo s'il faut s'adapter à son écosystème. Et deuxième chose, c'est que les erreurs micro et macro sont pas du tout les mêmes en fonction des Elo. D'accord donc en tout cas, on est parti sur Iron to Challenger pour te montrer quels sont les meilleurs pics. Donc tout d'abord, Brand Omega Broken, si tu veux jouer des champions AP, Brand et Lilia sont hyper fortes. Essaye de les spammer parce que Lilia risque de se faire encore un peu nerf et Brand aussi assez rapidement. Ensuite, la logique que tu dois choper, c'est que les champions qui sont Omega Broken en jungle, en bailo, sont des champions avec de langage lock et du cc. Nocturne, brillard, vaille et ramus parce qu'il va tellement vite que c'est lock. Et que les autres, c'est vraiment avec ces champions que tu vas pouvoir briller. Donc si tu veux de la bah tu me joues ta petite brillard ton petit nocturne, ta petite vaille. Si tu veux la dentiste, tu pourras ramus et surtout s'il y a beaucoup d'AP, c'est gratuit. Mais les autres styles de champions sont vraiment fortement déconseillés parce que déjà ces pics vont te permettre de monter. Et quand tu vas arriver à monter avec eux, et eh ce ben, sera une situation où tu pourras te permettre de jouer d'autres picks. <coughs> Ensuite, bah, tu vois, malheureusement, ça se passe très souvent dans League of Legends, l'écosystème Iron et Bronze est exactement le même. Pourquoi Parce que, en quelque sorte, les personnes qui étaient low bronze sont arrivées à Iron, et les personnes qui étaient high bronze sont toujours bronze. Donc en fait, les erreurs qui étaient présentes et la méta qui était présente en bronze est exactement la même en Iron, donc, c'est souvent pour ça que les tier list sont très similaires entre les deux zélos Et, et c'est un truc qu'on arrive à vous prouver en permanence. Mais tu vois, voilà, on va plutôt monter un peu plus haut. Et là, on aura deux pics qui vont spawn. Et c'est deux pics qui sont très forts aussi dans la méta. Et qui sont là parce que c'est souvent des full target ban. Par exemple, moi je joue en master grand master. Et je sais que Briard est quasiment le ban dans toutes les games. C'est un champion qui a un très fort snowball. Qui peut vraiment être le carry de la game. Donc, si tu as envie d'être le carry de la game. Et bah, fonds sur brillard, tu vas pouvoir briller. A l'opposé, si t'as déjà beaucoup de dégâts dans ta draft, et ça, c'est à de le visualiser, si t'as déjà 3-4 champions qui font des dégâts, ça ne te sert à rien d'en prendre plus. Le mieux serait d'avoir de la survivabilité, et c'est là qu'Hiverne s'impose, et Hiverne a un potentiel monstrueux dans ce genre de game. Si t'as assez de dégâts dans ta draft, prends Hiverne, et t'auras 60% de win rate, fais-moi confiance. De l'autre côté, tu vois les champions un peu trash tiers, ce sont des champions qui vont être très dynamiques en très tôt dans la partie. Rengar, Lucine et Elise. Et normalement, plus on va monter en elo, plus ils vont être forts. Parce que ces champions, vous avez pas assez de lecture de jeu macro et micro et que la durée moyenne des parties est très élevée à ces Elo. Plus t'es bas en elo, plus la durée moyenne des parties est élevée. Plus t'es haut en elo, moins la partie moyenne, durée moyenne des parties est élevée. Et de ce fait, ces champions qui sont très forts en early, un peu moins en late, bah en fait, vont se faire Vont perdre, ils vont perdre du win rate parce que les parties vont être trop longues. D'accord Et que tu préfères mille fois avoir une belle vette à 40 minutes de jeu, 40 minutes de jeu, qu'un à 40 minutes de jeu. On arrive en gold, et là, ça arrive un peu dans cette situation où je te dis, on commence à entamer ce côté un peu d'assassinat, de création de jeu, euh, qui va être Evelyn. Mais particularité d'Evelyn, c'est un champion qui va beaucoup jouer qu'au niveau 6. Donc toi qui voulais jouer. Euh, bah, les Rengar, les Kha'Zix, les Kindred, qui étaient très fortes en début, il fallait donner la rythmique. Et bien bah, en fait, Evelyn répond à ce truc de Bah, en fait, je suis un assassin, mais en fait, je scale autant que Belvet. Et ça, c'est hyper intéressant dans League of Legends, arrive à comprendre. D'accord Petit platine, et là, donc tu vois, elle commence. Ce qui est étonnant, c'est que le rôle de Jungle est le rôle, un des rôles les plus équilibrés sur le patch. On sait qu'en support, a ADC, en mid, on arrivait à du 54% de win rate moyen, 53% de win rate, alors que là en jungle, c'est moins de cas. Donc étonnamment, les picks broken pour Carrie cette saison sont moins en jungle que sur les autres rôles, et c'est quelque chose d'assez rare. Et donc là, on va partir à partir de platine émeraude sur du 1v9. D'accord Tu vas devoir devenir la condition pour dynamiser ta partie et gagner D'aller considérer comme Gauthier, mais je vais souvent vous la déconseiller malheureusement, même si elle est fichue sur la tier list, parce que c'est un champion un peu Yasuo tier, qui tout double, et si t'as pas une expérience monstrueuse sur le champion et un gap de connaissances de jeu par rapport à la Team ennemie, tu vas devenir une loose condition. Donc si tu es très confiant en jungle, et que tu penses pouvoir solo carry, teste, mais essaye de te remettre en question au bout de 10 games, de dire... Est-ce que je suis vraiment capable ou est-ce que je suis pas du tout capable Et ça, c'est un truc important. Et après, bien sûr, on a le bro master lié. Fonce avec. On arrive en diamant, et là, c'est exactement ce que je vous expliquais. Et ben bah, on a les rengars, on a les Nidale, et on a des champions AP qui spawnent. spawn. Gragas qui est hyper intéressant, mais c'est vraiment un peu un champion d'OTP, malheureusement. Parce que mécaniquement, si tu arrives à bien le gérer, tu as la capacité d'avoir beaucoup de tempo et d'arriver à un peu comme une Diana tiers. En fait, tu es comme Diana. Sauf que es moins cramé et que t'as t'offre en même temps du disengage. Donc en fait, Gragas, vu que. Non, c'est tu. Fl flash in EQR et en fait tu limites one shot de personne et t'as disengage de fight et vu que t'as touché ton E, t'as deux secondes sur CD sur ton E donc tu peux te casser. Et elle est vraiment là la logique. Et Talia va être plus là dans une situation où ces deux champions d'une part qui ont une très grande facilité à faire les, les mines du d mais aussi parce que s'il y a des dashers en face avec tu bah t'as un champion qui a un potentiel considérable. Parce que tout le monde va se prendre le stun quand il va essayer de dash, et ça va être trop bien. Ce qui m'étonne un peu d'ailleurs, et normalement Kha'Zix c'est juste derrière, il est considéré comme un tiers, mais ce n'est pas affiché là, parce que j'en affiche pas assez, mais Kha'Zix aussi est un très bon champion en diamant. On arrive en challenger, et tu vois c'est exactement ce que je t'explique. Ce côté assassinat, création de jeu, tout ce qui est trash tiers ça commence à être des champions un peu tanky, Poppy, Jarvan, c'est Et de l'autre côté, bah, t'as le frérot Chaco qui spawn. D'ailleurs, on est en train de spammer Chaco support. Si vous voulez, n'hésitez pas à nous rejoindre en live. Si vous voulez on un peu découvrir ce gameplay, on est à 70-70% de winrate dessus, en train de, de rush le Grand Master. Donc foncez. Et entre main, voilà, vous avez le Shaco, vous avez le Gragas qui est très intéressant à ses zélos. N'hésitez pas à spammer et vous avez vu qu'on arrive sur des win rates avec Nidalee, Gragas, Rengar qui sont très élevés. Et Gragas, à partir du diamant, je vous le conseille vraiment jungle quand vous n'avez pas assez d'AP dans votre draft parce que ça va, être, ça va vous répondre à beaucoup plus de problématiques que Brand ou alors que Lilia parce que la création de jeu est beaucoup plus simple et beaucoup plus value, d'accord Donc pour rappel, on est en live sur Twitch tous les jours de 9h à 15h. Donc si vous voulez du coaching gratuit, on vous en fait un après-midi, on répond à vos questions et on essaie de vous donner le maximum de tips et d'astuces pour pouvoir progresser, tout en vous proposant du bon jeu en étant bah, quand même plutôt bien classé. En tout cas, c'était Exit, sur ce, ciao